compte rendu de la 51e réunion du Conseil des ministres. Le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 29 avril 2022, à partir de Lubumbashi par visioconférence, la 51e réunion du Conseil des ministres. Quatre points étaient inscrits à l'ordre du jour. 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. Et 4. Examen et adoption des textes. La communication du président de la République, chef de l'État, a porté sur 5 points principaux, à savoir 1. De l'accélération de la mise en œuvre du programme de 145 territoires. Le président de la République a rappelé aux membres du Conseil l'urgence du démarrage effectif du programme de développement à la base de 145 territoires. Il a rappelé que toutes les structures concernées doivent continuer à s'engager pour la mise en œuvre effective de ce projet. À ces jours, les agences d'exécution qui ont été sélectionnées et qui ont reçu la première tranche de ce qui leur est dû sont invitées à finaliser les différentes études des différents projets afin de procéder au lancement des appels d'offres des travaux et services. Pour ce faire, le président de la République a invité le ministre des Finances à s'assurer du respect du plan des décaissements convenu avec les différentes agences d'exécution. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur la desserte en électricité sur le territoire national. Le président de la République a tenu à rappeler que notre loi fondamentale consacre le droit à l'accès à l'eau potable et à l'électricité pour quiconque se trouvant sur notre sol. Ce droit est donc constitutif d'une obligation d'exécution pour le gouvernement. En dépit du caractère ultra-prioritaire que revêt l'électrification du pays, la situation dans ces secteurs évolue lentement. Cette situation pèse péniblement sur la vie sociale de nos concitoyens et retarde également les développements industriels du pays, cela plus particulièrement dans les provinces nouvellement créées. Une bonne structuration de ces secteurs nous permettra de réduire sensiblement le retard des développements accumulés par notre pays durant plusieurs décennies et de répondre aux grandes attentes de notre peuple. Pourtant, les offres d'investissement dans les domaines énergétiques sont nombreuses. Le président de la République a cité pour exemple la République de l'Inde qui a proposé de financer l'implémentation des centrales solaires à Karawa, Lusambo, Mbandaka, Mbujimai et Manono. Ce projet se situe tous dans les provinces nouvellement créées. Il est donc impérieux que le gouvernement de la République réserve un caractère urgent au projet d'électrification du pays et particulièrement au traitement des projets relatifs à l'offre mentionnée ci-dessus. Il en est de même pour les projets d'implantation des petites et moyennes centrales solaires éoliennes présentés par différents investisseurs aux autorités compétentes pour analyse et décision. À cet effet, le président de la République a instruit le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, ainsi que le ministre des Finances, a présenté lors du prochain Conseil du ministre au mois de juin l'état des lieux du dossier relatif à l'offre de la République de l'Inde dans le cadre de la coopération bilatérale et de toute autre proposition économiquement réalisable à court terme. Le troisième point de la communication du président de la République a porté sur la relance du processus de mise à la retraite des agents et fonctionnaires de l'État. Soucieux de l'accélération de la mise à la retraite des agents et fonctionnaires de l'État et du rajeunissement de l'administration publique, le président de la République a de nouveau invité le gouvernement à accorder une attention soutenue pour le bon aboutissement de ce processus amorcé par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique et modernisation de l'administration publique. Sous l'impulsion du premier ministre,
Tous les ministres concernés sont instruits, en ce compris le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, le ministre d'État, le ministre du budget, ainsi que le ministre de la Défense nationale pour ce qui concerne les volets des militaires, ainsi que le ministre des Finances, de prendre toutes les dispositions requises afin de faire aboutir dans un délai raisonnable ces processus et permettre à ses compatriotes qui ont servi dignement la nation de se reposer et de laisser place aux générations futures. Le quatrième point de la communication du président de la République a porté sur la représentation de l'État actionnaire dans les assemblées générales des entreprises du portefeuille de l'État, en vue de s'assurer de la contribution effective des entreprises d'économie mixte et d'orienter efficacement l'action du gouvernement en matière de rentabilisation des participations de l'État congolais détenues par les sociétés d'économie mixte. Le président de la République a instruit la ministre d'État, ministre du portefeuille, à transmettre un rapport détaillé sur la situation des sociétés d'économie mixte. Dans la même perspective, le chef de l'État a demandé au Premier ministre chef du gouvernement d'accélérer le processus de modification du décret numéro 13/002 du 15 janvier 2013 portant représentation de l'État actionnaire au sein des assemblées générales des entreprises publiques, et ce, conformément aux directives transmises par la correspondance de son cabinet. Dernier point de la communication du président de la République, chef de l'État, relatif au maintien de l'éligibilité de la République démocratique du Congo au fonds additionnel IDA de l'allocation prévention et résilience. Après l'approbation par la Banque mondiale le 4 novembre 2021 de la stratégie nationale de prévention des conflits, des stabilisations et des renforcements de la résilience des communautés qui permettra d'augmenter la dotation IDA de la République démocratique du Congo, le président de la République a invité le Premier ministre à signer le décret consacrant la création ainsi que l'organisation du secrétariat permanent et la mise en place du comité de pilotage ainsi que celle du comité de suivi par le gouvernement, comme décidé au cours de la 22e réunion du Conseil des ministres du 1er octobre 2021. Prenons la parole à la suite de la communication du président de la République, chef de l'État. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a rappelé la présence du président de la République dans la province du Haut-Katanga. Ceci pour clôturer les travaux de la conférence interprovinciale des espaces Grand Kassai-Grand Katanga. Le Premier ministre a rappelé que cette 51e réunion du Conseil des ministres, présidée par Son Excellence Monsieur le Président de la République chef de l'État depuis Lubumbashi, marque encore une fois son souci de voir le pays pacifié et le Congolais réconcilié entre eux. C'est pour cette raison que le Président de la République a initié les travaux de la conférence interprovinciale des espaces Grand Kassai et Grand Katanga qui vise à consolider la paix entre les communautés concernées, point de départ de tout développement, et à freiner les déplacements massifs de population du Grand Kassai vers le Grand Katanga. Le Premier ministre a indiqué qu'au cours des travaux qui se sont déroulés, notamment en commission, les différents participants ont eu l'occasion d'identifier sans complaisance les causes de ces phénomènes et ses conséquences sur le plan politico-administratif, socio-culturel, sécuritaire et économique, et d'autre part, de définir avec courage les solutions durables devant créer les conditions propices pour l'épanouissement de provinces concernées et assurer ainsi le vouloir vivre ensemble en République démocratique du Congo. Le chef du gouvernement a salué l'engagement de tous les participants, notamment les députés provinciaux et gouverneurs de 9 provinces concernées, les membres de gouvernements provinciaux, les chefs traditionnels du Grand Katanga et du Grand Kassai, la Fondation Katangaise, la communauté kassaïenne, la société civile du Grand Katanga, les autres communautés vivant au Katanga,
le parti politique diverses tendances confondues, les enfants en rupture de liens familiaux appelés Chégué, les délégués des motards appelés Wewa, les exploitants miniers appelés Créseurs, les représentants des mamans de l'espace Kassa et celles de l'espace Katanga, des mouvements citoyens, etc., sans, bien évidemment, oublier la présence des députés nationaux et sénateurs. Ces assises seront clôturées le samedi 30 avril dernier par le président de la République. Le deuxième point de la communication du Premier ministre a porté sur l'an 1 du gouvernement. Saisissant l'occasion de cette réunion, le Premier ministre chef du gouvernement a exprimé la gratitude de tous les gouvernements au président de la République, chef de l'État, une année après son investiture par l'Assemblée nationale. Il a invité les membres du gouvernement à travailler davantage pour matérialiser la vision de l'autorité suprême afin de mériter la conscience du peuple congolais. Le Premier ministre en a profité pour remercier aussi tous les membres du gouvernement pour les efforts et sacrifices consentis dans la mise en œuvre du programme gouvernemental, nonobstant le contexte économique et social mondial difficile caractérisé par la pandémie à Covid-19 et depuis peu par les répercussions de la guerre en Ukraine. En dépit des avancées enregistrées dans plusieurs secteurs de la vie nationale, le Premier ministre a rappelé que le membre du gouvernement avait encore plusieurs défis à relever. Dans cette perspective, le gouvernement demeure résolument engagé, notamment à la matérialisation du programme de développement à la base de nos 145 territoires, à la mise en œuvre de la couverture santé universelle, à l'effectivité de la gratuité de l'enseignement primaire, à la réforme et à la modernisation de l'administration publique, à la dotation de chaque Congolais d'une carte d'identité, au rétablissement de l'autorité de l'État et de la paix dans la partie est du pays et à l'organisation des élections dans les délais constitutionnels. Pour ce faire, chaque membre du gouvernement doit briller par plus de responsabilité, d'efficience et d'efficacité dans la mise en œuvre du programme gouvernemental qui vise à améliorer la qualité de vie de nos concitoyens. Le troisième point de la communication du Premier ministre a porté sur la suspension de la perception de la taxe sur la valeur ajoutée sur le produit de première nécessité. Pour faire face à la tendance haussière de prix observée sur le marché, à la suite notamment de l'impact du conflit russo-ukrainien, le gouvernement s'est engagé à prendre des mesures idoines dans le plus bref délai afin de juguler les perturbations dans l'approvisionnement de produits de première nécessité. À la suite des réunions conjoncturelles qu'il a tenues avec le ministre sectoriel et les acteurs socio-économiques des secteurs concernés et à la suspension de la perception de la taxe sur la valeur ajoutée sur le produit de première nécessité pour une durée de 6 mois renouvelable, le gouvernement s'emploie à prendre des mesures d'encadrement en vue de s'assurer de leur effectivité. Le Premier ministre a conclu son propos en revenant sur la célébration des journées du travail le 1er mai et celle de l'enseignement le 30 avril. À l'instar des autres pays du monde, la République démocratique du Congo célébrera le 1er mai la Journée internationale du travail, l'occasion pour le Premier ministre de saluer tous les travailleurs et les employeurs de notre pays, des secteurs formels et informels, publics et privés, et de les encourager à se mobiliser ensemble avec le gouvernement pour promouvoir l'employabilité et garantir des emplois décents pour chacun de nos concitoyens. De manière particulière, au nom du gouvernement, le Premier ministre a rendu hommage aux enseignants de tous les secteurs de l'éducation nationale qui, ce 30 avril, fêteront la journée nationale qui leur est dédiée. Au chapitre 2 du Conseil des ministres de ce jour, relatif au point d'information, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, a informé le Conseil que l'état du territoire national reste globalement calme, à l'exception de provinces de la partie est où se poursuivent des opérations militaires dans le cadre de l'état de siège pour anéantir toutes les forces négatives qui écument nos populations depuis près de 2 décennies.
Dans l'autre volet de sa communication, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a informé le membre du Conseil qu'il y a de plus en plus des affrontements entre les populations dans certaines provinces. Affrontements dus entre autres aux conflits coutumiers et aux conflits des limites administratives. Dans les provinces notamment de Mongala, Ituri, Kasaï, Kasaï central, Kasaï oriental, Sankuru, Maïndombe, Équateur, Sud-Kivu, Sud-Ubangi, Tanganyika et Lualaba. Les ministères s'emploient à diligenter des missions sur terrain en vue de venir à bout de ces conflits. Sur le plan des sinistres et catastrophes, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a souligné la récurrence des cas d'incendie et des catastrophes naturelles qui appellent à la révision de notre politique en matière de protection civile. Dans ces registres, on a malheureusement enregistré dernièrement le boulement de terre à Bukavu, dans la province du Sud Kivu, et qui a occasionné cette mort. Intervenant à la suite du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, la vice-ministre de la Défense et ancien combattant, représentant le ministre en mission, a présenté la situation opérationnelle dans les zones de défense à travers les pays. Nos forces armées sont principalement employées à éradiquer l'activisme de forces négatives dans les provinces de Nord Kivu et de l'Ituri et en appui depuis plusieurs mois des forces armées de la République ougandaise. Toujours sur ces chapitres d'information, évolution de la situation de l'épidémie à COVID-19 en République démocratique du Congo. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a présenté la situation liée à la pandémie à COVID-19 en République démocratique du Congo. Il a indiqué que globalement, la situation sanitaire de la pandémie à COVID-19 reste stable et maîtrisée, avec un taux de létalité se situant autour de 1,5%. La courbe de cas de contamination demeure toujours à la baisse. Cette courbe descendante devrait pousser la population à continuer d'observer les mesures barrières pour qu'avec les efforts des uns des autres, notre pays soit parmi les États qui vont vaincre cette pandémie. Nous devons donc rester en alerte car malgré cette accalmie observée depuis plusieurs semaines, il existe une probabilité d'une flambée de contamination entre les mois d'avril et juillet 2022. Sur un autre registre, le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention a évoqué la situation de l'épidémie à virus Ebola. En effet, il est signalé depuis le 23 avril dernier la 14e épidémie de la maladie à virus Ebola qui a été déclarée à Mbandaka dans la province de l'Équateur. Cette déclaration fait suite aux résultats fournis par l'INRB après examen d'un étudiant de sexe masculin âgé de 31 ans. Un autre cas a été déclaré le 25 avril et deux autres le 27 avril 2022. La létalité globale est à ce jour de 100%. Pour ce faire, plusieurs actions sont en cours, notamment le renforcement de la surveillance épidémiologique, le suivi de la mise à jour des listes linéaires de contacts, la réactivation du comité local, provincial et national de la coordination dans le cas de la riposte contre Ebola, la mise en place d'un centre de traitement Ebola contre Ebola, la prise en charge médicale de cas, la mobilisation de ressources auprès de partenaires techniques et financiers et la finalisation du plan de riposte contre la maladie à virus Ebola et la requête à présenter au gouvernement dans le prochain jour. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. À son tour, le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux Publics, a fait rapport au Conseil de l'état d'avancement de projets d'entretien et de construction de la voirie dans la ville-province de Kinshasa. S'agissant du projet Kinshasa Zéro Trou, le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux Publics, a indiqué que nous nous en sommes encore à la première phase pour laquelle l'Office de voirie et drainage a perçu tout ce qui lui était dû, les travaux pouvant se terminer dans les 6 prochaines semaines. En ce qui concerne le projet Chilegelu, les travaux initiés à travers le province de la République démocratique du Congo sont à ce jour exécutés à près de 40%. Lancé le 21 juin 2021, le projet ABC qui vise la construction de 13,24 km
et de 64% de niveau d'exécution à ce jour. Quant au projet de bitumage de 5 artères dans la ville-province de Kinshasa, le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, a indiqué que cela nécessite des ressources additionnelles. Cette addition se justifie par le fait que des travaux supplémentaires ont été imposés sur terrain. Le Conseil a aussi pris acte de cette note d'information. Intervenant à son tour, cette fois-ci pour aborder les conclusions de la 36e session du Conseil national du travail et du rapport de mission effectué dans la province du Congo central du 25 au 27 avril 2022, la ministre du Travail et Prévoyance sociale, faisant suite aux instructions du Premier ministre, a communiqué au Conseil les conclusions de la 36e session du Conseil national du travail. L'insistance a été faite sur l'ordonnance relative à l'actualisation des jours fériés et légaux en République démocratique du Congo, pour répondre à la volonté du président de la République de dédier la date du 6 avril à la commémoration de la vie du prophète Simon Kimbangu. Quant à la mission effectuée à Mata du 25 avril 2022 au 27 avril, relative à la grève de transporteurs routiers des camions poids lourds, force est de constater que la énième tentative de démantèlement de cette grève n'a pas encore été concluante, a souligné la ministre. Malgré la signature du protocole d'accord en 2013 entre les employeurs et les travailleurs du secteur, les problèmes soulevés durant cet échange demeurent les mêmes actuellement. Face à cette situation, le ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale a décidé de relancer la commission tripartite pour trouver des solutions pouvant rejoindre les attentes de transporteurs de poids lourds et plusieurs résolutions ont été adoptées à cet effet. Toujours sur ces chapitres de points d'information, le ministre du Numérique a présenté en conseil une plateforme numérique dénommée Audience App, évolutive, novatrice, répondant à l'absence d'un mécanisme efficace de gestion d'audience des rendez-vous et d'organisation de réunions au sein des institutions et administrations publiques. Il va sans dire qu'un tel projet offre plusieurs avantages, notamment la réduction du coût des consommables de bureau, la réduction des risques de contamination à Covid-19 en l'occurrence, la traçabilité des rendez-vous et autres rencontres de personnalités publiques. Le Conseil a pris acte de ce point d'information. Au chapitre 3 du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres, le Conseil de ministres a adopté les relevés des décisions prises lors de sa 50e réunion tenue le vendredi 22 avril 2022. Dernier chapitre du Conseil de ministres de ce jour, consacré à l'examen et à l'adoption des projets de texte. Trois textes. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a soumis au Conseil deux projets de ratification faisant suite aux accords signés à Ankara le 7 septembre 2021 entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et le gouvernement de la République de Turquie. Le premier texte concerne le projet de loi autorisant la ratification de l'accord entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et les gouvernements de la République de Turquie sur la promotion et la protection réciproque des investissements. Et le second texte, c'est lui portant sur le projet de loi autorisant la ratification de la convention entre la République démocratique du Congo et la République de Turquie en vue d'éviter la double imposition et de prévenir la fraude et l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu. Les accords susmentionnés ont pour objectif d'éviter d'une part la double imposition fiscale de contribuables des deux États et d'autre part de prévenir l'invasion ainsi que la fraude ainsi que l'évasion fiscale afin de préserver les recettes budgétaires de chaque pays. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces deux projets de loi. À son tour, le ministre du Commerce extérieur a présenté au Conseil
le projet d'accord commercial conclu entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et le gouvernement de la République du Burundi. Il a indiqué que la République démocratique du Congo et la République du Burundi sont membres de l'Organisation mondiale du commerce et du marché commun de l'Afrique orientale et australe et ont adhéré chacun à la zone des libres-échanges tripartites COMESA, EAC, SADC, ainsi qu'à la zone de libre-échange continentale africaine. En vue de raffermir et d'intensifier leurs relations commerciales, les deux pays ont signé un mémorandum d'entente sur la facilitation des échanges commerciaux depuis le 13 juillet 2021. Pour le ministre du Commerce extérieur, dès qu'il sera signé, l'accord commercial contribuera au développement économique de deux pays qui ont des intérêts communs. Cet accord qui met en place un cadre juridique fondé sur le principe de justice, d'équité et de réciprocité, susceptible de renforcer les relations socio-économiques et politiques entre les deux pays. Il se donne pour vocation de promouvoir et d'intensifier les relations commerciales entre la République démocratique du Congo et la République du Burundi. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces projets d'accord. Commencée à 13h20, la réunion du Conseil des ministres a pris fin à 16h37. Je vous remercie.